précise juste les gens, début de vidéo, parce que je suis en train de regarder ma vidéo, là j'ai une sorte de bouton. Tu vois, ils vont me dire, c'est quoi ça et tout, c'est quoi ton bouton, il est bizarre quand même. C'est un kyste au front, je sais les gens. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Et ça me fait grave chier d'avoir un kyste au front. Donc voilà, donc regardez pas trop mon bouton et tout. Faites ignorer, tout le monde, ignorer, s'il c'est vous plaît. Christo Merci. et on se retrouve pour une vidéo particulière. Donc je vais juste vous expliquer en gros qu'est-ce qui se passe. On est d'ailleurs le premier jour en gros du mois d'été. Donc je vais juste vous montrer. Alors là, donc se situe mon petit trophée en fait YouTube. Donc je vais juste vous montrer juste par la suite. Donc à la base, tu vois, je pensais, enfin, tu sais, je pensais pas vraiment faire genre une vidéo et tout, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui ont fait déjà des vidéos sur le trophée YouTube, qu'est-ce que c'est, voilà, comment il est, etc., etc. Et moi, mon but, c'est vraiment pas forcément que de vous le montrer, parce que je pense que vous savez ce que c'est, à quoi ça ressemble. Tu vas sur internet, Google Images, tu tapes, tu trouves. Et moi déjà ça me permet de tester ma caméra. Je me suis mis ici, c'est pas pour rien en fait, c'est un lieu. Voilà, tu sais, ça me fait penser à Gus DX. En gros, c'est un endroit où quand j'ai débuté sur YouTube, je me posais souvent ici. En fait, il y a un petit banc là. Je me posais souvent ici, donc là on est à Lyon, hein. Donc il y en a peut-être qui vont connaître ici, il y a des jolies vues. Même on peut, tu peux genre monter un peu plus haut et genre t'as des super belles vues de Lyon. Et en fait des fois je me posais donc soit sur ce banc, soit je montais un peu plus haut tout seul. Et puis je réfléchissais, pas forcément que sur YouTube, à propos de YouTube, mais sur plusieurs choses, pas mal de choses. Tu sais, dans la vie, faire des réflexions et tout. Après je sais pas si tout le monde fait ça, je pense pas que tout le monde fasse ça. Mais voilà, c'est quand même relativement important. Donc je vais juste vous montrer rapidement le trophée, même si vous connaissez. Moi je suis content, pas genre du style où c'est pour se la vanter et tout, tu vois, c'est une sorte de récompense quelque part où t'as fait du travail, vite fait t'es un peu reconnu par YouTube, tu vois, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment être reconnu complètement, mais voilà, tu sais, t'as une petite récompense. Et ça c'est quelque chose que je vais garder. Donc voici la boîte, donc moi je vais garder personnellement. Et que voilà, c'est un truc pour moi, c'est je vais vous expliquer après, c'est quelque chose de super important. Donc il y a la petite boîte ici, donc toute banale, hein, vraiment simple. Et puis donc lorsque j'ouvre, hop, on a ceci, normalement on a une petite feuille de YouTube. Donc ça, il y a plein de youtubeurs qui ont déjà lu, c'est vite fait un, on va dire, quelque chose qui a été imprimé, hein. La signature, c'est pas ouais, ça a été imprimé aussi, donc voilà, c'est pas quelque chose de non plus très individuel. Et puis on a donc le trophée, le fameux trophée qui est ici dans l'emballage, qui est d'ailleurs assez joli. En plus avec la nature, ça fait un petit vert, mais qui donc normalement c'est de l'argent, je crois. Et voilà, avec mon petit iPhone là que je viens de recevoir. Donc congratulations, 100 000 subscribers, donc j'atteins plus de 100 000 abonnés, avec le nom de ma chaîne. Relativement, le cadre en lui-même, il est très simple, et même il y a même un peu de poussière comme on peut voir ici qui s'est mis dessous. Donc à mon avis, ils l'ont monté très rapidement, c'est un peu fait à la wall again, mais comme quoi c'est une récompense. Et c'est quand même, moi c'est quelque chose que je vais garder perso toute ma vie, je pense, hein. Je le montrerai peut-être plus tard un jour à mes enfants et tout, je leur montrerai le trophée. Ouais, je fais tiens, combien j'ai eu d'abonnés. Enfin bref, donc on va parler sérieusement. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je filme avec mon iPhone. Enfin, que je me filme en faisant un selfie. En plus, là, il y a une femme qui promène son chien. Oui, en plus de ça, regardez, il y a mon bébé scooter avec moi. Toujours mon bébé scooter. J'ai ramené exprès mon petit bébé scooter. Il est tout mignon. Ah là là. Je vais peut-être laisser passer la dame, ou au pire, je vais continuer, je m'en fous. Ouais, il y a des choses très importantes, franchement. Moi, perso, ça me fait super plaisir. Voilà, je vous le dis. Et puis surtout, comment vous expliquer ça? Je vais me poser, je vais m'asseoir. Bonjour. Donc, hop, juste poser ça histoire de pas. Les gens ils comprennent pas, ils me regardent un peu, mais bon. En gros, c'est vraiment genre. Genre, attends, fort. Poser ça là. Oh là là, cette beauté. C'est. Comment dire? Comment expliquer tout ça en fait? C'est genre, moi j'ai commencé, j'ai atteint les 100 000 abonnés sans réellement demander de l'aide à personne, et j'ai demandé de l'aide à personne. Donc c'est-à-dire que j'ai pu acquérir cette audience-là sans avoir à demander à des gens ou faire des vidéos avec des personnes relativement connues. J'ai eu des propositions à l'époque où quand j'étais très connu avec ma série GTA. Donc d'ailleurs c'est ici dans cet environnement-là où j'ai pu trouver mes petites séries et tout. Que ce soit dans le sport, dans GTA, vraiment toutes mes séries Breaking News et tout, c'est sur ce banc là. C'est pour ça que je voulais aussi, c'est un symbole en fait pour moi. Je me suis dit allez, je vais le faire correctement cette vidéo. Et ouais, en gros,
En fait, je me suis débrouillé seul. Et honnêtement, à mon époque, il y a quelques années, quand j'ai commencé YouTube, ça doit faire 3-4 ans, les gens me disaient que c'était impossible, tu vois. Tu peux pas réussir seul, il faut se faire pistonner par des chaînes communautaires et tout. Même après, moi, je prends du recul et je me dis que c'est à peu près la même chose, en fait, même dans la vie réelle. Où YouTube, ça a pris une telle ampleur où maintenant, c'est vrai, pour se démarquer des autres, même si tu as du talent, en fait, finalement, tu n'arrives plus à te démarquer, tu n'arrives pas vraiment à te montrer, genre, ouais, voilà, quoi, même si tu as t'es particulier en quelque sorte, t'arriveras quand même pas à te démarquer. Maintenant c'est comme ça, il y a tellement de youtubeurs et tout, etc, etc. Excusez-moi les gens, j'avais un petit quelqu'un m'a appelé en fait et ça a carrément coupé ma vidéo, mais ça n'a pas été supprimé. Enfin bref, on reprend la partie. Oui, donc en gros j'ai fait mon truc. Et je me suis lancé dans YouTube et tout. J'avais des, comme je vous l'ai expliqué, j'avais des soucis de santé, j'avais problèmes au dos, donc au niveau de ma colonne vertébrale. Donc j'avais scoliose, syphose, et j'ai été opéré, etc., etc. Donc j'étais dans un mal-être. Et c'est là où j'ai trouvé YouTube parce que je pouvais pas sortir de chez moi. Donc j'étais enfermé chez moi concrètement. Et je suis allé, après j'ai navigué beaucoup sur internet, j'ai commencé à faire de l'informatique, etc., etc. Et j'ai commencé sur YouTube à partir de là à faire des petites vidéos et tout, et après à m'inspirer ici. Et en fait c'était pour vous dire que tout le monde m'a dit que c'était pas possible, genre d'avoir ce nombre d'abonnés. On parle de nombre d'abonnés, on parle pas maintenant de nombre s'il y a des gens qui sont actifs sur ma chaîne. J'ai eu des problèmes d'activité sur ma chaîne. Après voilà, c'est comme ça, c'est des fois ça crescendo et décrescendo quoi, tu montes tu descends. Et maintenant je les ai, et maintenant je me rends compte en fait qu'on m'a toujours dit que c'était pas possible, et maintenant ouais je me dis en fait que c'est possible, tu vois, même là actuellement j'ai pu faire de magnifiques choses. YouTube, et ça c'est très important, moi premièrement, tu prends une vidéo, une de mes vidéos il y a 3-4 ans, j'avais pas la même mentalité, pas la même pensée, la philosophie en quelque sorte. Maintenant j'ai grandi, franchement avec YouTube j'ai grandi, j'ai pu connaître pas mal de personnes dans plusieurs grandes villes différentes dans le monde entier, voilà, de devenir de vrais potes avec des personnes du web, et il y a du bon, après il y a du mauvais, mais vraiment, et puis même savoir qu'est-ce que c'est qu'avoir une audience, gérer une audience, et puis même c'est vrai que bon, à la fois tout le monde en parle, donc j'avais vu tout à l'heure une vidéo d'anglais qui faisait ça aussi, donc c'était assez drôle. Et même à la fois regarder les gens, de pouvoir aussi se faire un peu d'argent aussi sur YouTube. Alors après, même je crois d'ailleurs c'est marqué sur leur papier genre qu'il faut pas le faire pour l'argent ou je sais pas quoi. Je sais plus, à la fin je crois ils ont dit quelque chose comme ça. Mais que c'est une plateforme vraiment, oh merde, ah bah il a pris la terre. C'est vraiment une plateforme, tu vois, super pour moi, qui est super intéressante. T'apprends un maximum de choses, et même par exemple ça là, tu vois le scooter, le petit scooter, j'ai pu l'acheter aussi, et c'est vrai hein, j'ai pu l'acheter voilà avec l'argent de YouTube, et c'est une reconnaissance que j'ai pour vous. Je vais essayer de chercher ma petite feuille. C'est une énorme reconnaissance que j'ai pour vous. Pour moi c'est magique quoi, tu vois, j'ai pu acquérir en expérience. Et puis après là le souci c'est que moi perso je vais faire des études supérieures en informatique d'ici 3 mois. Même là je commence déjà à faire de l'informatique parce que ça me manque énormément. Le développement web c'est quelque chose de pas super difficile non plus, mais que voilà, peut-être dans le temps bah, les vidéos ça va être mis de côté. Mais voilà, j'ai un souvenir qui est vraiment ce trophée là, et aussi toute l'expérience que j'ai pu acquérir qui n'est pas quelque chose de matériel, mais cette expérience là, toutes les gens qui m'ont qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont, tu sais, ça c'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un kiff. Franchement, c'est, ouais, moi c'est, pour moi, pour l'instant, c'est la plus belle chose que j'ai pu vivre en tout cas, voilà, depuis mes 20 ans, mes 20 dernières années, c'est la plus belle chose en tout cas qui m'est arrivée. C'est vraiment YouTube qui m'a transformé. Et voilà, et puis aussi se faire un peu d'argent, c'est important d'en parler parce que ça fait plaisir. Puis acheter du matériel, mais de côté, voilà, je me fais des petits trucs qui fait plaisir. Donc juste me dire ça, j'ai pu avoir concrètement juste avec le web. C'est la nouvelle génération, je dirais, tu vois. C'est fou. Enfin bref les gens, je voulais juste terminer avec quelque chose. Déjà je vais répondre à tout le monde dans la barre des commentaires. C'est un remerciement, et à la fois pour vous dire que si vous avez envie de faire quelque chose, et même si des gens vont vous dire
c'est pas possible, ou tu vas pas y arriver, t'as pas le talent, t'as pas le truc, t'as pas le matos. Sachez qu'il y a toujours une possibilité. On m'a dit exactement la même chose il y a 4 ans, et maintenant, regardez, on peut dire, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, ou les gens ils peuvent jacter ce qu'ils veulent dans mon dos, mais au fond, moi j'ai atteint ce que je voulais vraiment atteindre, c'était ce chiffre-là. Et voilà, je l'ai atteint, ça m'a pris du temps, du travail, beaucoup d'amour aussi, faut vraiment aimer. Tu vois, moi j'ai. Heureusement que j'aime vraiment YouTube parce que sinon j'aurais lâché depuis un moment. Et à côté, comme je vous ai dit, tu gagnes en expérience, tu gagnes en plein de trucs. Et même dans la vie réelle, même je dirais que maintenant, si tu veux vraiment faire quelque chose dans ta vie, tu sais, il faut croire en soi déjà. Moi, c'est ce qui m'a permis vraiment aussi de réussir. Et puis de faire des bons trucs, des bons sujets. Mais après, voilà. C'est vraiment déjà de croire en soi et de faire ce que tu aimes, ce que tu as vraiment envie de faire, en fait. Bah, faut le faire. Voilà. Avec tout ton amour, toute ta passion. Et tu travailles un max. Et tu essayes d'aller dans la bonne direction possible. Et puis ça marchera. Donc voilà, moi, je vous dis vraiment ça. C'est pas pour. C'est pas genre pour me mettre en valeur et tout. Moi, je te passe vraiment un message. Peu importe qui tu es. C'est un message vraiment important, enfin que moi en tout cas j'ai pu acquérir grâce à YouTube. Et voilà, moi il n'y a pas de souci, vous pouvez me parler dans la barre des commentaires sur Facebook et tout. J'ai du mal à répondre à tout le monde, mais voilà, je fais des efforts. Puis si un jour vous me rencontrez à Lyon et tout, je suis super gentil, je suis pas méchant. On peut boire un coup, etc. etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc quoi, ouais, en gros, faut foncer dans la vie, faut faire vraiment ce que toi, tu aimes faire, je précise, faut répéter, répéter, même se le répéter, tu vois, tous les jours. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie de réussir dans ma vie. J'ai envie de faire quelque chose de différent des autres. Voilà, vraiment essayer de me mettre à part. Moi, ça a toujours été le cas. Et voilà, moi, je vais continuer YouTube à mon avis. Et maintenant, malheureusement, j'ai passé à autre chose. Enfin, je continue YouTube, mais il va falloir que moi, je me fasse un autre plaisir qui est déjà Internet, le monde, tout ce qui va être. Moi, je suis fan du développement web, de choses comme ça. Donc, je vais plus m'investir beaucoup plus dedans et essayer de faire quelque chose avec. Mais voilà, franchement, c'est cool. Donc, petite dernière chose aussi, je sais, je le dis à chaque fois, mais au niveau de ma chaîne, je suis assez motivé. En plus, j'ai reçu ça. J'aimerais vraiment faire un renouveau. Donc, je vais travailler ça pendant les vacances. J'ai quand même 3 mois de vacances. Donc, travailler au niveau de mon montage, de faire des vidéos où, voilà, tu sais, j'ai le sourire et tout. Enfin, je dis pas que j'avais pas le sourire, mais vraiment montrer une présence, montrer que, voilà, tu sais, j'aime bien faire ça. Je suis présent, pas faire le gars mort. Il y a plein de youtubeurs qui font ça. Moi, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas faire ce genre de truc. Genre, tu parles et tout, mais en fait, t'as l'impression que t'es mort, tu vois. C'est genre, c'est monotone, c'est pas vivant. Moi, je peux pas faire ce genre de choses. Donc, malheureusement, je me fais plus à une vidéo tous les 3 jours, 2 jours. Pour, voilà, quand je fais une vidéo, il y a du peps, tu vois. Et voilà. Merci beaucoup, les gens. Ça me fait super plaisir. Croyez en vous. Voilà, franchement, faites de votre maximum. Et voilà, je vais vous laisser. Je réponds à tous vos commentaires et tout dans la barre des, enfin, à tous vos commentaires dans la barre des commentaires, ce qui est logique. Et voilà, bon, mon trophée, je l'ai remis rapidement ici. Donc, bon, après, au niveau du trophée, la qualité, c'est moyen. Mais voilà, c'est plus l'acte qui fait plaisir. Ça, c'est un truc que je vais afficher sur mon mur. Donc voilà, bon, en même temps, comme ça, je peux tester vite fait le téléphone. Ouais, genre. Il y a la vue vite fait de Lyon, là. Ah, je vais aller voir. Ah, ça passe bien, quoi. Dégage, ça. Bah, il fait moche, par contre. Ouais, ça passe bien. Bon. Bon, moi, j'y vais. Gigot. Donc, merci. Quelque chose d'inoubliable. Je voulais juste préciser une petite dernière chose. C'est que j'y pense des fois, je me dis que peut-être un jour ma chaîne sera supprimée, copyright, tu sais, ça arrive des fois. YouTube, ils sont pas terribles là-dedans, enfin, ils protègent pas vraiment les youtubeurs. Je me dis même si un jour mes chaînes seront supprimées, ou pour X raisons, parce que normalement ça devrait pas y arriver, je fais très attention avec ça et j'ai pas de problème de copyright. Mais quoi qu'il en soit, et c'est ça le plus important, c'est que je suis satisfait de toute l'expérience que j'ai pu acquérir. Même si tout est supprimé là sur le web, disons, du jour au lendemain, je serais déçu, je serais triste. Mais je serais content à la fois, ça permet de recommencer une nouvelle page sur autre chose, plus YouTube et tout. Donc
Ouais, franchement, je suis très content et de mon parcours parce que on me disait que c'était pas possible et finalement j'ai pu faire quelque chose de créer l'impossible entre guillemets en possible. Tout le monde m'a dit que c'était. Personne n'a fait confiance en moi. Non, franchement, moi ça m'a fait gagner en confiance. Donc ça, c'est important. Et croyez en vous, faites ce que vous pouvez dans votre vie et courage, motivation les gens.